每日早安。哎，今天我们接着上一节课的内容啊，继续讲落花的故事。看看你们还记不记得故事的开头？我们有三个问题啊。第一个 ，qui est l'oiseau？qui est l'oiseau？ 第二个 ，qui est l'arbre？qui est l'arbre？ 第三个 ，qui veut voir l'oiseau lundi？qui veut voir l'oiseau lundi？ 你们答出来了吗？好，我们来看答案。第一个问题 ，qui est l'oiseau？ l'oiseau 是谁？我们 l'oiseau 它是香水师，对吧？所以你可以这样说 ：elle est une française， elle est parfumeuse。Elle est une française, elle est parfumeuse. 第二个 ，qui est Derek？ 谁是 Derek？Il est le copain de Laura. Il est le copain de Laura. 他是 Laura 的男朋友。第三个 ，qui veut voir Laura lundi？ Son directeur veut la voir lundi. 是他的经理要见他。这节课呢 ，Laura 和他的主管见面了。他们说了什么 ？Laura 有没有升职？我们来听对话。同样像上次啊，先来看三个关于对话的提问。我们的问题是 ，Que propose le directeur à Laura？ Que propose le directeur à Laura？ 经理向 Laura 提议什么 ？Propose 动词 proposer， 意思是提议、建议。第二个 ，Pourquoi la proposition est intéressante？ 为什么这个提议很有趣呢 ？Laura a-t-elle accepté cette proposition？Laura 有接受这项提议吗？好，我们来听录音，看看到底发生了什么事情。Scène 2 Le lundi, dans le bureau du DRH de l'entreprise Syntex. Je vous dérange ? Pas du tout, je vous attendais. Asseyez-vous. Voilà, vous savez que notre contrôleur de qualité part à la retraite. Oui. Eh bien, nous avons pensé à vous pour le remplacer. Mais je suis très contente à la production.Vous serez encore mieux au contrôle. Vous aurez autant de liberté, moins de stress, un bureau agréable. Vous gagnerez plus. Peut-être, mais moi, j'aime créer des parfums. Je suis faite pour ça. Comprenez-moi, Mademoiselle Mirmont. Dans un an, nous fabriquerons nos produits en Turquie. Je veux bien aller en Turquie. Un jour, peut-être, mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous au service qualité. Alors, je n'ai pas le choix. Réfléchissez. Notre proposition est intéressante.录音我们听完了，同学们，经理见Laura是为了给他升职吗？哎，好像不是，哎，是让他干一件他不想接受、不愿意去做的事情。我们来仔细看看是怎么回事。我们来看一下课前问题的答案吧。Que propose le directeur à Laura？ 答案等一下 ，Il lui propose de remplacer le contrôleur de qualité。他的经理啊建议他代替现在的质量控制员。De pourquoi la proposition est intéressante？ Parce que Laura aura autant de liberté, moins de stress et elle gagnera plus。因为当了控制员之后啊，他可以有同样的自由，但是工作不太累，而且赚得更多。3. Laura a-t-elle accepté cette proposition? Laura 有接受这项提议吗？ No, 他没有接受这项提议。我们可以从文章中好几处啊看出他在非常委婉的拒绝经理。比如说呢 ，Mais je suis très content à la production， 但是我对生产的工作很满意啊。还有 ，Peut-être, mais moi, j'aime créer des parfums。可能你说的有道理吧，但是我呢就是喜欢设计香水，这个是比较委婉的拒绝，大家有没有看懂呢？现在咱们一句一句从头仔细读课文哈。来，刚开始 ，Je vous dérange？ Je vous dérange？ 我打扰您吗？打扰某人是 déranger quelqu'un。pas du tout， 完全没有，是习惯表达方式啊。tout 是全部的意思，前面加上否定词 pas du tout， 完全没有。Je vous attendais？ 我刚才啊一直在等您呢。Attendre 是等待，注意这里的时态用了未完成过去时表示过去，但因为人呢已经来了，所以等的动作已经结束了，要用过去时。Asseyez-vous， 请坐，您请坐。S'asseoir 是坐下的意思，是一个带动词。那么带动词变成命令式后呢，代词不能丢，要放在动词的后面。所以说你坐就是 asseoir， 您坐就是 asseyez-vous。我们在阅读对话的时候呢，特别注意一下，看看法国人他们是如何开始、怎么样进展一段对话的。各个文化有他自己的习惯。比如说下面这一句啊 ，Voilà, vous savez que notre contrôleur de qualité part à la retraite。啊，经理解释说啊，是这样的，您知道我们的质量控制员啊，马上就要退休了。好 ，Voilà 就是这样。Contrôleur de qualité 之前我们说过 ，direct 的工作它是 contrôleur de gestion， 所以这里面也是一样，控制员。那 contrôleur de qualité 是管质量的。Partir à la retraite，partir à。本来是出发去某地的意思，啊后面接地点，
但是这里 R 后面加的是退休 La retraite， 所以意思是将要退休，马上退休。 Nous avons pensé à vous pour le remplacer. Pensé à 想到，经理说啊，我们想到了您呢，可以去代替他，也就是让刘哈接任他的职位。刘哈这样一听啊，吓了一跳，他本来以为是升职，继续发明香水，这下可好了，完全要换到另外一个部门，他不愿意。Mais je suis très content à la production. 但是我在生产部做的挺满意的，这个里面content是满意、高兴的意思。La production 这里指刘哈工作的领域，就是制造部、生产部。Vous serez encore mieux au contrôle. 经理说您在控制部啊，肯定会更好。Serez 是 at 的将来时。Encore 更加 mieux 我们在第一节第四讲说过是比较级，它的原型是 bien 好，所以 mieux 就是更好。Vous aurez autant de liberté, moins de stress, un bureau agréable, vous gagnerez plus. 就是你有同样的自由啊，更少的压力啊，还有一间舒服的办公室啊。这里面 vous aurez 您将有是将来时。这句话我们来先看名词它提到的名词有 la liberté 自由 ，le stress 紧张 ，le bureau 办公室，还有一个形容词 agréable。舒服的。之后我们来看比较级，出现了哪些比较级呢？ autant de 同样的， moins de 较少的，这两个后面都要加名词。vous gagnerez plus plus 这里是更多的意思，它修饰动词的比较级。peut-être mais moi j'aime créer des parfums. j'aime créer des parfums créer 是设计创立的意思，建立一家公司在法语里面也可以说 créer une entreprise. je suis fait pour ça. 这句话很厉害啊，他说我生下来就是干这行的。上节课我们说 faire un baby 是生小孩，那这里呢变成了被动句 je suis fait pour ça 补全，意思是 pour créer des parfums 为了设计香水，所以句子本意是我就是为设计香水而生的。 être fait pour quelque chose 可以用来夸奖别人，比如 tu es fait pour ce poste tu es fait pour ce poste 你特别适合这份工作。 fait 看出对肯定是个男生，罗汉他说 je suis fait 因为他是女生，或者变成否定句用来委婉的说某人的缺点，比如Je ne suis pas fait pour la mathématique. Je ne suis pas fait pour la mathématique. 我没什么数学细胞啊，我数学不好，括号天生的没救哈。下面 Comprenez-moi, mademoiselle Mirmont. Dans un an, nous fabriquons nos produits en Turquie. Comprenez-moi, 请理解一下我吧。La Turquie 是土耳其。Fabriquons 又是一个将来时，动词 fabriquer 意思是制造。Je veux bien aller en Turquie. 卢哈说他想去土耳其，但是他能去吗？不行啊。Un jour, peut-être. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous au service qualité.Avoir besoin de 中的 le besoin 是名词需求，这个短语是需要某物的意思。的后面加名词 le service 意思是服务，这里面是服务部服务领域。le service 是一个很常见的词，我们常常会看到le service après-vente 售后服务，或者是你看到商店的门上挂着一个牌子写着 en service 营业中。je n'ai pas le choix 我就不能选吗？ le choix 选择，这里指罗哈想留在制造部的这个选择。Réfléchissez, notre proposition est intéressante. Réfléchir, 动词是思考、考虑的意思。对话就讲解完了，咱们现在就 réfléchir 一下刚才课文里的一个重点是什么？时态。咱们说到法语特别容易犯时态的错误，因为汉语句子的时间很多时候不是明示而是暗示的。但是俗话说时态不对，说话白费。时态用错了，对方能不能听懂全凭悟性，所以我们得重视时态，多想、多用、多改正，自然就能说好。现在我们试着不看课文回想一下刚才的情景，看看能不能用对时态。第一个经理他说让我刚才一直在等您呢，应该用什么时态？用未完成过去时 Je vous attendais。 第二句经理说我们第一个想到的人就是您我们想到了您，什么时态？用复合过去时，对吧？ Nous avons pensé à vous。 第三句如花说我现在挺满意的，用什么时态？用现在时就可以了， Je suis contente。 最后经理劝他您那到质量部肯定会更好的，用什么时态呢？应该用简单将来时，因为他现在还没去呢，对吧？ Vous serez encore mieux。 同学们都答对了吗？课文就讲到这里，最后来一起做一道练习题。题目是 Laurent ne veut pas aller au service qualité parce que A. Elle sera plus stressée. B. Elle aime la création de parfum. C. Elle gagnera moins qu'à la production. D.Elle n'aime pas le directeur. 选哪个呢？答案是 D. Elle aime la création de parfum. 她喜欢设计香水。La création 是 créer 的名词。我们来看一下其他选项A. Elle sera plus stressée. 她会更紧张。C. Elle gagnera moins qu'à la production. 她赚的呢会没有在生产部的多。D. Elle n'aime pas le directeur. 她不喜欢经理。
所以这三个答案都不符合我们课文所讲的，答案是 V。 同学们答对了吗？一起做些练习，巩固学到的内容。Scène 2. Le lundi, dans le bureau du DRH de l'entreprise Syntex. Je vous dérange ? Pas du tout, je vous attendais. Asseyez-vous. Voilà, vous savez que notre contrôleur de qualité part à la retraite. Oui. Eh bien, nous avons pensé à vous pour le remplacer. Mais je suis très contente à la production. Vous serez encore mieux au contrôle. Vous aurez autant de liberté. Moins de stress, un bureau agréable, vous gagnerez plus. Peut-être, mais moi, j'aime créer des parfums. Je suis faite pour ça. Comprenez-moi, mademoiselle Mirmont. Dans un an, nous fabriquerons nos produits en Turquie. Je veux bien aller en Turquie. Un jour, peut-être, mais aujourd'hui, j'ai besoin de vous au service qualité. Alors, je n'ai pas le choix. Réfléchissez. Notre proposition est intéressante.洛哈他还会遇上什么麻烦事呢？如果你是他，你会怎么做？你是从还是不从？且听下回分解。非常感谢大家今天的收听。Merci beaucoup et au revoir.